Oh bah ouais, on est bien là, attends. Oh ouais, comment on est bien là. Oh, oh j'ai eu une bonne idée. Oh, l'idée de génie. Oh, oh on est bien. Voilà, nickel, on est posé avec la derby. Oh les mecs. Oh merde. Salut les mecs, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Bonsoir les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo. Eh, hey, c'est de banc à banc, frérot. Si tu parles à ton collègue, il y a 20 mètres entre deux. Oh mais regardez, okay. Enchanté, voilà, bonjour. Trop belle, trop belle. Prendre la visu d'en haut, et là hop, t'arrives comme ça. Tu prends, tu sautes. Et voilà. C'était un chevauchement très cow-boy. Voilà, j'avais pas le mot. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Soleil bleu, soleil plein. On est pas mal aujourd'hui hein. Fais du drift. Bon les amis, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo fatidique. Je suis détendard, mais c'est parce que ça y est les frères. Ça y est, c'est passé, mais avant j'étais étendard. Les amis, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai failli commencer la vidéo sans dire la petite pub là quand même. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait trop plaisir. On est bientôt 170 000. Après 180 et 200 et patati patata. Bref les amis, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu. Un jeune pouce bleu, parce que ça fait plaisir. 3000 pouces bleus, 3000 pouces bleus les mecs, nouvelle vidéo. Du coup voilà, n'hésitez pas, on bombarde. On n'hésite pas, on bombarde les petits pouces bleus. Vous êtes excités comme des puces à l'annonce du A2. Parce que ça va arriver, ça, dans la foulée. Dans la prochaine vidéo, je vous dirai ce que je commence demain. Ouais, j'aurai même pas de vacances. Oh, j'ai trop le seum, frère. Oh, le mec il passe l'été sans ses vacances. Wouah, trop le seum, mais bon, c'est la vie, it's a life bro. Donc aujourd'hui les amis, je vais vous annoncer mon résultat de bac pour que dans les commentaires ça me félicite, ça me dit ouais Léo t'es trop fort, ouais Léo t'es... Ouais, ouais j'en fais trop là, j'en fais trop un peu, ouais. Ouais c'est ce que je me disais aussi. Ah ouais frère, une petite friterie là. Oh comment j'aurais envie là d'une petite frite. Oh il est dimanche frère, une petite frite. Non ça sera des pâtes, on lâche pas les pâtes frère. N'hésitez pas à venir sur Instagram les mecs, on est bientôt 25 000. Mon dieu, je sais pas ce que vous avez, vous êtes tous venus sur Insta là. En même temps, c'est vrai que maintenant je me suis forcé. Enfin, je me suis forcé. Je me suis dit que j'allais vous poster des photos plus rapidement. Du coup, maintenant, j'essaye de vous mettre au moins une fois toutes les deux semaines des petites photos. Et en tout cas, je mets des stories tous les jours. Donc si vous voulez voir un peu ma vie, même si on s'en fout, bah n'hésitez pas à rejoindre les frères. 2,90 donc. Bon les amis, mes notes, le fatidique, on veut les résultats, allez au balance. Alors je l'ai annoncé sur Insta avec une story frère. Et voilà, donc ça veut dire rien, ils le savent déjà. Mais déjà, j'espère que vous avez eu votre brevet. Parce que je sais qu'il y en a plein qui attendaient le brevet pour avoir la 50 les mecs. Donc voilà, ça j'espère que ceux qui voulaient leur brevet, ils l'ont eu. En tout cas, félicitations. Dites-moi si vous avez eu votre moto, votre mention. Parce que je sais qu'il y en a qui avaient plein de cadeaux s'ils avaient la mention. Donc voilà les mecs, en tout cas, vous mettez ça en commentaire et j'irai checker ça. Et là, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai eu au bac. Alors, je vais pas vous dire la mention, déjà j'ai eu le bac, ok. J'ai eu le bac, c'est déjà bien. Là, on va pronostiquer les notes. Donc si vous voulez jouer à un petit jeu les mecs, vous mettez philo, grand oral, management, éco dans les commentaires. Et vous faites un prono de mes notes. Et en fait, j'ai trop envie de voir si vous pensez que je suis un bon élève ou un mauvais élève. Ça se dit ou pas? Poignée dans l'angle mon chef. C'est quoi comme voiture? Ah Hyundai. C'est un truc futuriste mon frère. Donc les amis, en première et bonne et due forme, la philosophie. Alors il faut savoir que la philosophie, je l'avais dit, c'est pas non plus mon péché mignon. Tu vois, il y a des matières que je préfère à la philosophie. Bon après tu vois, on n'est pas tous là à philosopher. Bref, philo les frères, 8. Bon allez, je le balance comme ça, j'ai eu 8 en philo. Et alors? Et alors? Et alors? Wall kit 50. Wall kit 50. Ouais, on va serrer, on va serrer. Et alors les frères? Bon j'ai 8 en philo. Bon ça m'a niqué le bac, mais c'est pas grave. C'est pas grave, vous allez voir si à la fin je l'ai eu ou pas le bac du coup. Du coup j'ai 8 en philo. Bon ça c'est pas vraiment la meilleure des choses à avoir. Admettons 8 en philo. C'est passé, c'est fait, voilà. J'ai fait 8 pages, ça me fait 1 point par page. Donc pour le temps que j'ai passé frère, je crois que c'est pas du tout rentable. Mais au moins j'ai fait l'effort d'y aller. Donc bref, passons à autre chose. Attends, il va où lui? Eh, c'est une route où je suis jamais allé là-bas. Donc après les amis, on va dire ah ouais non, je garde ma meilleure note pour la fin. On va dire le droit et l'économie. Parce que pour ceux qui voulaient savoir, j'étais en STMG. Ouais frère, ça y est. Ouais la STMG, vous bossez pas, vous foutez rien. Eh frère, eh, respecte-nous un peu. Team STMG dans les commentaires là, y'a qui est en STMG aussi? Donc les amis, éco-droit, j'ai eu 14. Bon, je suis pas, en vrai, je suis pas mécontent. Je sais que j'ai dû cartonner en éco et me faire baiser en droit, ça c'est sûr. Parce que, bon c'est sûr, parce que je suis plus fort en éco qu'en droit. Mais après voilà, c'est une moyenne des deux et 14, on va dire que je suis content. J'aurais préféré le 15, tu vois, ça mène au tout. Donc voilà, 14 en éco, waouh, businessman frère, les billets, l'oseille. Wouhou! Et là dans une mauvaise herbe, ça me défonce la main, non? C'est sûr, il y en a, ils font des rendez-vous ici. Ouais, Jacques, viens là que je te vide. Le trou de balle, frérot. Je t'accroche là-dedans, là. Ils font des bails chelous ici.
Donc après les amis, j'ai passé l'épreuve de qu'est-ce que j'ai passé après? J'ai passé le management. Alors le management et la gestion, toute l'année j'étais bon, on va pas se mentir. Et j'ai un peu flop. Bon, oui, j'ai flop, mais je peux pas être bon partout, hein. Donc le management, les mecs, j'ai 14. Bon voilà, je suis deg, mais c'est pas grave. Et ce qui nous arrive à dire que, ça se trouve, il y en a dans les commentaires, ils vont dire: ouais mec, t'as eu 14 en droit, 14 en mana, et t'oses te plaindre. Mais les frères, j'étais dégoûté. Bon, après j'ai oublié de calculer. Dis-toi, ça fait 2 ans que je fais les calculs, et le jour du bac, le mec, il oublie de calculer. Ouais, il faut être un peu... ouais. Faut être un peu débile, mais bon, on peut pas être intelligent partout, hein. Donc voilà, après avoir passé mon éco droit, mon mana et ma philo, ouais, j'avais oublié ça, j'ai passé le grand oral. Alors le grand oral, tout le monde l'a passé, que vous soyez dans n'importe quelle filière, on a tous la même truc. Allez, on pousse Ginette, on envoie les rattrape le Tour de France, on envoie les ballons. Waouh, donc le grand oral les amis, ça, franchement masterclass. Ah, y a un petit toutou. Masterclass les mecs, le grand oral, hein. Toujours faites ça avec les toutous. Regarde, moi j'arrive, là j'ai l'impression que je fais pas de bruit, voilà, tranquillou, au moins on l'excite pas, voilà. Tranquillou, voilà, au moins on est passé. On a passé le petit toutou. Et après, on envoie les patates. Donc les mecs, le grand oral, masterclass. On peut dire merci le grand oral, j'ai eu mon bac grâce à ça. Eh, ils sont bien ces petits champs de blé là. Oh attends frérot, il y a des trous ici. Donc j'ai eu 20, voilà, donc j'ai pas eu 1, j'ai eu 20, 20, 2 et 0 frère. J'ai eu 20 au grand oral. Muchis caliente. Quand j'ai vu ça frérot, ça fait 280 points, c'est masterclass. Et on se voit dans le blé. Donc ouais, grosse masterclass au grand oral frère. Un 20 au grand oral, c'est... T'es content mon ref. Ah j'étais content. Je peux au moins dire que 20 au grand oral. Voilà. N'hésitez pas les mecs, hein, ceux qui ont passé le bac, à me dire vos notes en commentaire. Voilà. Et votre filière. Parce que grosse force à tous ceux qui sont allés en maths physique. Eh les mecs, vous êtes des baisers. Maths physique, wesh. C'est... waouh, faut être un malade. Faut passer vitesse à un volet, un passe mieux. Ouais, il y en a, ils ont pris maths, physique, SVT, les plantes. Ouah, non. Dur. Merci les mecs. Dur les plantes, hein. Moi, je suis pas un mec des plantes. Aïe, ça roule les mecs. Donc, ce qui me fait une moyenne générale, j'ai tout dit mes notes là. Ouais, j'ai tout dit mes notes. Ce qui me fait une moyenne de bac mention bien. Ah, voilà, ça y est, on peut m'applaudir. On peut, allez, on applaudit, il dit. Là t'envoies les patates, c'est pas une priorité à droite mon ref, tu peux y aller, c'est un sens unique. Ouais, tu peux envoyer les patates. Ça veut rien dire envoyer les patates. Un petit booster full black, c'est un booster tech black, comme sur les MT-07 que j'ai précommandé là. Hein quoi? Qu'est-ce que... Wow, ouais, je dis des dingueries moi frère. Ah, j'ai posé un raconte. Quoi? Ça mon ref. Bien, il conduit une trottinette à une main là, c'est le roi du pétrole frère. Oh là 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 là. Donc les amis, bac mention bien. Je pense que là, c'est bien. Bon, même moi si je suis dégoûté sa mère, gros, bac mention bien. Bac STMG, hein, gros. C'est pas non plus un truc de ouf, hein. Bon après j'ai raté la philo, donc ouais, Osef quoi. Nickel la mention bien en ratant la philo. Après c'est parce que en vrai j'avais v'là des bonnes moyennes toute l'année, donc oh, on va se taper le train. Ok, du coup pour Vesquil train, on va faire un tour de parking. Vous avez vu comment je vous divertis, c'est pour vous que je fais ça, hein. Du coup les amis, ouais, mention bien, on va aller direct contacter la banque pour recevoir l'oseille, parce que je sais pas, mais je crois que, si je dis pas de conneries, hein, tu peux avoir de l'oseille de la banque à McDo, tu peux avoir un McDo gratuit, non? Et les refs, je vais vous donner une astuce pour avoir un McDo gratuit pour ceux qui ont passé le bac et le brevet. Peut-être que ça fonctionne, faut essayer. Mais ouais, faut essayer, et puis voilà. Donc ça s'achève le lycée. Triste, c'est fini les vidéos go au lycée en 50cc. Bon, on en refera les mecs, hein, on en refera. Vous savez pas ce qui se prépare pour septembre, ça va être une dinguerie. Je pense que je vais vous en parler. En gros, je vais faire, si vous voyez, genre un long vlog. Genre en mode un long vlog. Et le vlog, eh ben, il sortira après que le projet sortira. Est-ce que ça se dit? Ouais. Et ben voilà. Petite décapotable, on peut parler ensemble. Salut, collègue. Ça va? C'est bien. Et bien le décapotable. Du coup, voilà, les amis. À mon avis, je vous tournerai un genre de vlog qui va retracer tout le truc jusqu'à ce que ça arrive à truc. En fait, c'est trop dur de parler d'un projet avec des trucs. Genre, remplaçant le projet par truc, c'est trop dur. Vous pouvez essayer, hein. Mais non. En tout cas, les mecs, gardez 26,99€ de côté. Hein, quoi? Gros, je spoil trop de trucs, hein. J'avais dit que je donnais un indice dans chaque vidéo. Mais la vérité que là, si vous êtes avec un peu de QI, vous savez déjà ce qui va se passer. Le premier route lancement, les amis. On check. Ah, lui, il aime pas les motos, frère. Ah, il a tiré une gueule, j'aurais pu checker sa meuf. Ah, lui, je crois, il a fait non avec sa tête. Il est pas content. Il aime pas la moto. Bah, quand on va repasser avec une full ligne Acra, lui, je crois, il va nous jeter son vélo. On fait l'aspi. VMAX. VMAX en montée, les mecs.
Tu check avec l'arbre en passant. Du coup les amis, j'espère que vous, ça s'est bien passé le brevet, parce que vrai de vrai, j'espère que vous allez avoir tous vos bécanes. Wouhou! On a le bac. Cette fois-ci, je vais pas oublier d'aller chercher le diplôme, les mecs, je vous le promets. Le brevet, croyez-moi ou non, je suis pas allé chercher le diplôme. Je suis un malade. Et du coup, en mode, je l'ai demandé, genre en mode 2 ans après, je crois, j'ai dit ouais les refs, est-ce que vous avez mon brevet? Ils m'ont dit bah mon ref, ton brevet, il est reparti, frère, on l'a envoyé à je sais pas qui. Faut que je contacte je sais pas qui pour avoir mon brevet. J'ai dit bah vas-y, gardez-le. De toute façon, pour être youtubeur, on n'a pas besoin. C'est moi qui m'embauche moi-même. Là, un cheval qui passe, bam! Collision. Oh les amis, j'ai trop hâte, putain, j'ai envie de tout vous dire à la caméra. Genre là, j'ai le micro, là, j'ai envie de vous dire que je vais avoir... que je vais... Oh non, putain. Mais aussi, quand je vais vous annoncer ce que je vais faire demain, et pendant, du coup, pendant 2 ans, les mecs, fouah, c'est... En vrai, j'ai envie de vous le dire. Est-ce que je vous le dis ou pas? Ou je vous le... Ou je vous le garde dans la vidéo vlog? Non, du coup, les amis, demain, je commence mon alternance. Du coup, voilà. Putain, je l'ai sorti comme ça, quoi, trop naturellement, là. Pour un mec qui voulait pas le dire. Donc, ouais, je commence mon alternance. Du coup, pour ceux qui savent pas, en gros, c'est après le bac. Tu peux décider de faire un truc. Bah, moi, je fais une alternance. En gros, ça veut dire tu vas 3 jours dans une entreprise et tu vas le reste du temps à l'école. Et donc, ça veut dire que par semaine, moi, j'irai à l'entreprise le lundi, mardi, mercredi et jeudi, vendredi, j'irai à l'école. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Et ça, c'est pendant 2 ans. Sauf que moi, mon contrat, il commence direct demain. Et ouais, frère, y a pas le temps. Là, on a eu l'annonce du bac cette semaine. Et bah là, frère, ils m'ont dit, bah, tu viens lundi, mon ref. Et ça, pendant 2 ans. Et donc, qui dit alternance, les mecs, il me dit, j'ai plus de vacances. J'ai plus de vacances scolaires, c'est fini. Rabababababa. Tu fais du bal rap en l'air avec des oiseaux. Du coup, ouais, les amis, j'ai plus de vacances, j'ai trop le seum. Donc, c'est fini. Donc, ne mettez jamais plus de ouais, team vacances, team reprend les cours, team semaine A, zone A, zone B là. Parce que moi, les refs, j'aurais pas. Tout ça, j'aurais plus, c'est fini. Bon, après, je me plains, mais j'ai envie de te dire que c'est tout le monde pareil. Hein. À part pour ceux qui continuent. Dites-moi, les amis, ce que vous faites, vous, l'année prochaine. En vrai, c'est un peu une vidéo pour vous informer que. Ah, voilà quoi. Ça part au charbon. Eh, mais sachez, les mecs, ne faites pas l'alternance pour devenir riche. On est payé. Que dalle. Parce que ouais, on est payé quand même. On va bosser, les mecs. Encore plus de moulin. Ah mais il en faut, parce que je peux vous dire que ce que je vais vous sortir en septembre, ah, on va aller se couper. On va se couper un bras. J'ai vu un cœur 70 000 euros. Sauf que si je le vends, bah je peux plus faire de moto après. Donc j'ai un peu le seum. Là, il y a un mec qui sort avec son VTT, bam, collision constant, allez hop. Oh, j'ai déjà vu, oh ouais, ça me fait penser aux vidéos sur TikTok, genre un peu les vidéos fail, où t'as un mec qui vient là en enduro, dans un truc comme ça, et qui voit pas la barrière. Ça, c'est le pire, frère. Et il se démolit. En vrai, c'est horrible, hein. Ça doit faire trop mal. Y'a personne, l'insération sur le circuit. Ouah. Envoie la patate. Elle what la derby, hein. Ça y est, elle sait que c'est mon dernier jour de vacances. Elle me fait plaisir, elle envoie de la patate. Du coup, voilà les amis, c'était une vidéo super courte, mais je me devais de vous tenir informé. Parce que voilà, bon après ça veut pas dire que j'aurai moins de temps, les refs, parce que moi j'adore faire des vidéos. Là, comme vous l'avez vu, je vous ai annoncé la SARF, mais je vous ai pas annoncé encore d'autres choses. Eh, je suis un petit cachotier, mais j'ai appris à cacher ça. Parce que avant, je vous disais tout. Genre si j'allais acheter une bécane, le lendemain c'était sur Insta. Et là, je vous tease, j'essaye de faire des petits trucs, tu vois, t'as capté un peu. Oh, il fait beau, hein. Oh, il fait trop beau. C'est quoi comme caisse, ça? C'est une BM, non? Allez, on a le pilote automatique. Oh, putain, faut accélérer, mais mettez un régulateur sur les 50. C'est horrible, sinon. Du coup, voilà, les amis, j'espère que vous aurez kiffé ce petit vidéo. Ce petit vidéo. On va parler moitié français, maintenant. Alors, vous êtes prêts? Rampe de lancement. Oh, on décolle. On n'a même pas décollé, quand je vous ai dit. La derby, tu peux prendre les dodanes à 70. Il va rien t'arriver. Bon, par contre, il y en a, il faut freiner, sinon c'est la lune. C'est Neptune direct, cash. Et du coup, les amis, pour ceux qui sont en vacances, là, dites-moi si ça... Oh, ah, c'est un... Les mecs, c'était quoi le modèle? C'est un MT. Je les ai jamais vus sortir de cette couleur de concession. Et les amis, normalement, où cette vidéo sort, c'est vrai que je le dis à la fin de la vidéo, mais j'essaierai de le remettre au début. Il y a le concours avec Sena France qui est lancé sur mon Instagram pour gagner un intercom d'une valeur de plus de 350 euros, les mecs. Voilà, c'est bénéf, c'est gratuit, c'est pour commencer les vacances. Ça fait plaisir. Pour commencer l'été, un petit intercom à 350 balles. Tu peux avoir la radio et tout. Regardez, moi, à mon oreille, j'en ai un. Et c'est une dingue. Du coup, ouais, les amis, n'hésitez pas à aller participer, c'est sur mon Instagram, les conditions sont dans le Insta, ouais, dans le post, les frères. Du coup, voilà, faites-vous plaisir, faites-vous kiffer, et je croise les doigts pour vous. Et n'oubliez pas de bien respecter toutes les conditions, parce que sinon, bah, vous êtes pas éligible au tirage. C'est aussi simple que ça, les mecs. Bon, allez, sur ce, moi, je vais me rentrer. Ça fait 2 ans que je dis cette phrase, je vais me rentrer, ça veut rien dire. Je vais rentrer, et voilà, sur ce, passez une bonne soirée, bonne journée, bon appétit, bon petit déjeuner. Ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo.
force à moi les refs pour l'alternance. Que des pouces en l'air dans les commentaires. Et mettez les pouces bleus, hein. Ça y est, faut pas se dire c'est un autre qui va le mettre. Parce que si toi tu le mets pas et que vous êtes 10 à pas le mettre, et bah ça fait beaucoup. Que si vous êtes 25 000 à mettre un pouce bleu, ça serait une dinguerie, frère. Une dinguerie. Du coup, voilà les amis, vraiment, j'insiste de ouf. Venez sur mon Instagram, ça fait peut-être forceur, mais en vrai de vrai, vous allez pas le regretter, les mecs. Ah, je suis à ça de vous tout vous tease, tout vous dire. Non, vraiment, vous allez pas le regretter. Du coup, venez sur mon Instagram. Parce que c'est une dinguerie ce qui va se passer. Ce qui va se lancer. Allez, mon ref. Allez, mon ref. Allez. Allez mon ref, allez mon ref, allez. Oh putain, les mecs, lance-moi une frite dans le casque, lance-moi une frite. Train. Bon allez, on va se rentrer, on est parti. Elle a tout caché dans la chatte et ça vend du hashish en masqué sur Snapchat. Oh c'était Polo, Polo le petit conducteur de Scooby comme ça là. Les mecs, envoyez-moi vos bécanes sur Insta Boule. Et si jamais vous voulez les présenter, vous me dites quoi? Tu me dis quoi, mon chef? Oh là là, oh là là, oh là là. C'est le passage du Seigneur ici. Ah là, tu décolles. Ah non, regarde, tu chintes, hop, tu passes là sur le côté. Par contre, là, tu restes comme ça, frérot, t'atterris au deuxième dodan. Oh, oh, lui, il fait mal. Ah, il fait pas du bien, celui-là. Oh, ça sent le barbecue. Non, moi, j'en veux un. Fait une sortie de route. Oh, merde, on a serré. Ah. Oh, putain. Ça fait des dérapages, frère. Va falloir repayer les pneus, là, les refs. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle.